Bon les gars, est-ce que vous allez bien? On est toujours à Toronto, mais pas vraiment Toronto, on est à Brampton. On va dire en France, il y a Paris, et à côté de Paris, il y a genre... Marseille. Non, Marseille c'est trop loin. Bref, on est dans une bonne lieu, genre, pas le centre-ville, à côté, ouais, on est à une expansion du centre-ville. Donc c'est là qu'on est actuellement, et puis là où on va aller maintenant, c'est dans un... Oh, il est là l'Uber, viens. Déjà? Ouais, on va aller dans un centre commercial les gars, et puis on va manger pour la première fois du... Chick-fil-A. Oh, ça sent la bœuf. The Google Map, it brought me right here, and then I saw... Okay, don't worry, bro, don't worry. Les gars, ça sent la bœuf. Bijou, tu sens ça ou pas? Parle, non? Ça va, biche? Je ne supporte pas du tout les odeurs comme ça. Hier, on est au centre-ville et tout, on marchait. À chaque deux minutes, les gars, il y a quelqu'un qui fume la beuh ou de la cigarette. Bro. J'étais comme ça tout le long. J'étais comme, oh non, je reviens plus au centre-ville. Les gars, il fait une beuh. On est en défoncé. Shit. How's Brampton? It's my first time here too. In Brampton. Really? Yeah. It's good. It's good? It's not that much crowded like. Downtown? Like downtown area. Yeah. The roads are much wider. That is... Drivers here are not bad. Mostly you'll find Indians here. Yeah, yeah, there's a lot of Indians here. Mostly, yeah. Why? Anyone who comes from India, most of them, they arrive in Brampton. Brampton? Like, yeah. It's like India here. Yeah. It's cool, yeah. Brampton is like proper Indian. Delhi or Mumbai. Have you ever been to India? Yeah, I am Indian. Okay, yeah. Okay. I just came here like 2 years back. Oh, 2 years? Okay, yeah, that's cool. Yeah, I'm planning to go to India in a few years. Oh, nice. In like 2 years. Nice. Yeah, I'll go to Mumbai maybe. Great. Yeah. Donc Bijou, ça va? J'ai l'impression qu'il a mis la clim, hein. T'as remarqué? Je pense qu'il a remarqué que Bijou était un peu comme... Dès qu'il est entré dans l'Uber, il a commencé à mettre son chandail sur son nez là. Il était comme ok, il faut que je mette la clim pour enlever la peau que j'ai pris il y a 2 minutes. Bon les gars, nous sommes sortis du Uber. On est arrivé au centre commercial. Et puis nous allons rentrer dedans et visiter ça. Je connais ça, c'est... T'as jamais goûté? Quoi? Ça va, comment on va rentrer? Jollibee, c'est américain. Ça là? Non, j'ai jamais goûté. Je connais le nom. Je connais le nom mais j'ai jamais goûté ça. C'est un fast-food aussi? Jollibee. Ah, il y a un AirPod. Ah, les gars, Junior a perdu ses AirPods. C'est les gars, j'ai perdu mes AirPods, bro. Yo, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai perdu mes AirPods hier à Toronto, à D-Town, downtown Toronto. Ben, je me suis rendu compte que j'avais perdu mes AirPods hier, non, quand on quittait l'hôtel. Comme avant hier ou hier. J'ai perdu un peu la notion du temps là, au niveau des vidéos. Je suis allé donc localiser mon appareil pour essayer de localiser mes AirPods. Et ça a dit qu'ils étaient dehors. Ça a localisé qu'ils étaient dehors il y a 24 heures. Sur une rue. Dans la rue, dans la rue. Ce qui veut dire, mes AirPods, sûrement il y a une voiture qui a roulé sur eux. Donc ils sont déjà écrasés. Donc ils sont morts actuellement. Donc c'est... J'ai plus d'AirPods au fait, tu vois. Rip, bro. Rip mes AirPods, bro. Écrivez dans les commentaires, rip mes AirPods. C'est vraiment simple. Les gars, regardez ça. Les Apple Vision. Vous les essayez ou pas? Non. Non? Comment te vois? Tu me vois? À travers. Essaye, je vois si je te vois. Oh non, là je me vois en double, attends. Tu me vois ou pas? Non, là je me vois en double. Ils sont les AirPods? Ah, ils sont là. Non. Je vois mes AirPods. Qu'est-ce que j'avais? C'est ça que j'avais. Ouais, on va voir le soit price. Soit ça. Oh, le price est good. C'est lequel, c'est ça? Ouais, AirPods Pro, 3ème génération. Ok. Quoi ça? Trop cher comme ça ici. En plus avec ces AirPods là, j'ai tellement eu des hauts et des bas. Des galères, ouais. J'ai eu tellement de galères avec ces AirPods là parce que à un moment je les avais perdus en plus. Ouais. Sous la neige les gars, pendant à peu près une semaine. Quand j'ai dégagé ma voiture, c'est là. C'est là. Ok, non, c'est là. C'est là. C'est là. C'est comme ça que tu vas perdre encore ta caméra, tu vas voir. Jamais je perds ma caméra. Je n'ai pas perdu ces AirPods parce qu'on m'a pas écouté. Je l'ai dit. Le patron, c'est la rime, il m'a dit vite, faut faire vite.
Et là, il a pensé à faire. Écoute-moi, s'il te plaît. Go. Ouais. Let's go. Ça doit être ça. Let's go. Bref. Yo, sure. Hé, hey, en parlant de caméra, j'ai aussi perdu ma caméra à un moment, hein. Yo, les gars, j'ai failli couler une arme, bro. Les gars, ma caméra qui est là, dans mes mains actuellement, là. J'ai failli la perdre. On est allé dans un supermarché. On achète de la bouffe et tout. J'avais ma caméra sur moi, ok. Je comptais filmer une vidéo, mais après ça, j'ai laissé tomber. Et là, maintenant, on prend nos affaires et tout, on quitte le supermarché. On rentre à la maison. J'ai plus ma caméra sur moi. J'ai pas ma caméra comme dans la voiture. Là, je prends la voiture. Les gars, je mets la voiture en démarrer. Oh, il y a des félicités que c'est. Mais je pars, arrête de crier. Yo, les gars, j'ai démarré. Yo, j'ai pensé à rien, bro. J'ai même pas mis ma ceinture, bro. Je pense que j'ai même pas mis ma ceinture. Tellement, ma caméra, c'était comme je l'ai perdue. Oh, il y a un là, maintenant. Yo, tu parles pas. Ok, bye. Là, maintenant, les gars, j'arrive au centre commercial. Je rentre à l'intérieur. Je demande à la caisse, bonjour, si vous avez trouvé une caméra, Ils ont dit non, ils n'ont rien trouvé. Là, je trouve mon chariot de nulle part. À quelque part, je trouve ma caméra dessus. Donc, les gars, grosse galère là, mais bon. Je vais perdre ma caméra en tout cas. Tu t'en rends quoi? Ben, on prend un trio, non, chacun? Un trio, mais est-ce qu'on prend du poulet pour nous deux ensemble ou non? Parce qu'ils ont l'air quand même bon, hein? L'air de poulet? Non. Venez, on prend juste un burger. Et là, on prend un poulet. Bon. Tu vois? Je vais prendre ça. Moi, je vais prendre du ketchup ou barbecue. Non, Non. Léon. Bon les gars, on a commandé notre Chick-fil-A. Vous n'avez pas vu en live le recevoir parce que j'ai dû couper la caméra. Deux sécurités du centre commercial sont venues nous voir pour nous dire d'arrêter de filmer. J'ai pas compris comment les sécurités nous ont vus les gars. Mais Bijou apparemment il a dit qu'il savait. Bijou, attends. Laisse le d'abord. Une chose est tombée et il y a eu un dégât. Mais c'est ouais, continue. Ok. Mais moi je pense que c'est une madame, je sais pas là. Là, elle nous a vu filmer. Mais comment toi tu l'as vu pendant qu'on rentrait dans le Chick-fil-A? Ouais. C'était une sécurité? Ouais, et directement quand on est rentré, elle a pris son walkie-talkie. Tu l'as vu comme ça, genre? On est rentré, regarde, comme ça. Ouais. C'est ça, et c'est pour... moi je pense que c'est elle. Ouais, les gars, on était dans la file, sur le point de commander, on voit deux sécurités derrière nous, comme si on était des dealers là et c'est on voulait ça. Se faire arrêter par la police. J'avais ce vibe en plus, hein? C'était des sécurités, mais bref, je sais pas. Ils viennent derrière nous comme ça et. Pas le droit de filmer dans le centre commercial, mais ils l'ont dit en anglais. Moi, je vais pas me casser la tête, tu vois. Je voulais pas. Ah, là, c'est la police. Là, c'est la police. Bref, je voulais pas me casser la tête ou quoi. Avec lui, j'ai juste dit, ok, c'est bon. Et puis, j'ai placé la cam, parce qu'on est dehors, bro. On voulait pas manger à l'intérieur, ils vont venir encore nous voir ou quoi que ce soit. Ah, filmez pas. Là, les gens vont passer. Devant nous, ils vont commencer à frapper la caméra. Devant. Non, bro, je préfère le mettre ici. Mais comment ils vont nous voir, Junior? Explique-moi. Si je le mets ici, ils nous voient manger. Going on here? Yeah, I'm a YouTuber. You're a YouTuber? Yeah. Right on. Can you do me a favor? As per our policy here on the premise, like anytime somebody's like recording, so you have to have permission from the property management to actually be video audio recording. J'ai une caméra, man. Tu veux filmer? On va aller vite là-bas, les gars. Encore une sécurité qui est venue nous voir pour nous dire. En plus, lui, il avait l'air un peu amical, tu vois. On dirait qu'il voulait être un peu amical. Il était comme, oh, guys, vous faites une vidéo? On était à l'intérieur du centre commercial, ils ont dit la même chose. C'est pour ça qu'on est sorti dehors pour ne pas être à l'intérieur. Après, il dit, ah, ouais, ok, mais t'as pas le droit d'être sur le territoire tout court, quoi. Donc là, j'ai dit, ok, quel endroit ne serait pas le territoire du centre commercial? Il m'a indiqué un endroit là, derrière, de l'autre côté. Il a dit, là-bas, c'est bon. Donc là, on va aller là-bas. On va se retrouver là-bas, les gars. Là, j'en ai marre, bout d'eux. C'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi là? Il y a quoi si je filme? Je suis pas là. Il y a quoi si je filme? Genre, je me filme moi. Genre, je comprends pas. Il a dit qu'il faut avoir la permission de ceux qui ont le mort. Donc là, je vais contacter le mort. Bonjour, est-ce que vous me laissez filmer ici ou quoi? Soit je vais faire ça pour un mort, bro. Je vais contacter plein de morts pour leur demander si je peux commencer à filmer chez eux. Comme ça, là, à un moment, une sécurité va venir me voir. Hey, tu peux pas? Je vais dire, voilà mon ticket pour filmer. Il va dire, oh, my bad. Yo, c'est mélange, c'est quoi tout ça? Donc, les gars, on a trouvé un endroit. C'est un peu la haisse, mais on a trouvé un endroit. On n'a pas le droit, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Et là, déjà, il y a trois sauces qu'on doit goûter tous les trois. C'est des sauces vraiment Chick-fil-A. Ah non, il y a deux sauces qu'on a goûtées. Tiens. Sauce polynésienne. Polynésienne et sauce et... chipotle. Non, Chick-fil-A. Chick-fil-A. La sauce du centre commercial. Ah ben oui, du magasin. Du magasin. On commence avec la Chick-fil-A. Ouf.
miel. Mais c'est ça. C'est nous la moutarde au miel. Non, pourquoi moi? Il est là? Il est plus là. Va t'asseoir. Il est là. Assieds-toi, Bijou, tranquille. Il y a une guêpe qui tourne autour là. Mais j'aime la frite, regardez ça. Nos guêpes sont bonnes. Ouais. Et la sauce est bonne aussi. Ma préférée, j'aime bien cette sauce. Mets dans l'autre sauce, polynésienne. Sauce polynésienne, regardez ça. Ça a l'air comme une sauce au miel. Ouais. Attention, attention. C'est bon? Pas trop. Elle est sucrée. T'as un petit ketchup au miel. Ouais, elle est sucrée, bon. Je pense qu'elle est bon. Merci sur ma sauce. Elle est trop salissante aussi, bon. Non, mais non. Je dis que tu sais pas manger, c'est tout. C'est vraiment la S, là. On est au plein milieu de la rue. On fait comme ça. On est au milieu de la rue. Pas de la rue, mais à côté d'une autoroute. C'est plein de bruit, c'est ça qui m'énerve. Non, non. Si il y a trop de bruit, je mets des sous-titres. S'il y a des bruits. Okay. Mais ça va faire, quoi, c'est bon. Il tourne encore des frites? Ah non. On peut passer au burger. Uno burger. Deux burgers. No pickles. Ah, ça c'est à toi. On a pris le même? Non. Toi t'as pas pris les tomates et tout ça. Moi c'est spicy aussi. Il y a pas de sauce. Oh ok, nous-mêmes on doit ajouter la sauce, ok. Oh! C'est intelligent. La sauce qu'on prend, c'est ce qu'on veut mettre dans notre burger. Si, en tout cas, je vois pas de sauce, hein. Ouais, c'est ça alors. C'est juste ça que j'ai, le pain, le poulet, et j'ajoute ma sauce. Pas trop quand même. J'en mets plusieurs. Bon, vas-y. Ching. Tough. Excuse-moi, il est juste un petit peu épicé. Je suis pas imposé. Prendre la bonne sauce. Oh, ma sauce va bien avec. Oh, on a aussi une sauce barbecue. Mmh. Le poulet. Le tien est épicé? Ouais. Moi aussi. Il est épicé là. C'est validé, hein? Mais. Hein, ouais, ce qui manque. Le seul truc, c'est que tu dois vraiment ne pas tomber sur la mauvaise sauce, en fait. Tu dois faire les bonnes sortes de sauce. Parce que moi, le mien, il était simple. C'est juste le pain et le poulet. Donc là, imagine, j'avais pris une sauce dégueulasse comme. Vas-y. Épinard, ouais, un truc comme ça. Ça ne va pas être bon. Tu donnes combien sur 10? 8. 8 sur 10? Ouais. Et toi? Ouais, je donne. Donc hop. Si on compte les choix des sauces et tout ça, 8.9. 8.7, 8.9. Bon, on a droit à 5 sauces, non? Ouais. C'est validé, hein? C'est bon. Chick-fil-A, quand tu vas là-bas, ils te donnent des sauces et tu fais ton propre burger en fait. C'est ça. Et il faut que tu mettes le pain et tout. Ouais, tu décides ta sauce. Tu fais des mélanges de sauces, ça va être incroyable. Tu fais des mélanges de choses, ça va être pas bon. C'est bon. C'est donc tu décides tes sauces. C'est ta première fois ou non? Ouais, c'est ma première fois. Moi aussi, c'est ma première fois. Chick-fil-A. Désolé pour la vidéo de S, hein, mais c'est des bails qui arrivent. Non. Écrivez dans les commentaires, je comprends. Si vous êtes encore là de la vidéo. Parce que les gars, on vous a kické deux fois. Bon, on pouvait rien faire. Bon, là, on est à l'intérieur, sortez. Ah non, on est à l'intérieur, arrêtez de filmer. Ok, c'est bon, c'est pas grave. On va continuer notre vidéo dehors. On sort dehors? Non, ne restez pas devant, bro. Désolé, il y a des problèmes, whatever. Ok, c'est pas grave. Là, on vient ici. Et derrière nous, il y a un arbre. On va pas le centre commercial, il y a rien. Il y a rien, il y a aucun magasin derrière, c'est un arbre. Donc, ça là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ce qui veut dire que, malgré les galères, on a réussi à donner la vidéo. On a réussi à finir la vidéo, tu vois. Moi, hein, ça fait de toute façon qu'on... On visite le centre commercial, on se promène. On peut pas. Et on vous amène avec nous, mais on peut pas. Donc là, on va juste y aller visiter comme ça. On veut pas risquer. Oh, les mains en l'air, ok. Donne ta caméra. Ouais. Non. Non. Merci à regarder la vidéo. Likez. Abonnez-vous. On se revoit pour une nouvelle vidéo.
peace pour une nouvelle vidéo. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon.